dongano, Seigneur c'est tolo dongano de anyo. Situé à 900 km d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, la ville de Samatiguila est à 9 32 de latitude nord et 9 29 de longitude ouest. Elle fait partie de la région du Kabadougou, dont le chef-lieu est Odiéné. Samatiguila est la ville la plus septentrionale de la Côte d'Ivoire, faisant frontière avec le Mali et la Guinée. En 1978, une loi crée 27 communes de plein exercice sur le territoire national. Au nombre de celles-ci, figure Samatiguila. La commune de Samatiguila est une collectivité territoriale décentralisée, administrée par un conseil municipal présidé par le maire actuel, Diaby Lansiné. Par ailleurs, directeur général du fonds d'entretien routier, Samatiguila, érigé en département depuis le 14 août 2008. Au plan historique, cette cité est fortement islamisée et abrite la plus ancienne mosquée de Côte d'Ivoire, construite au XVIIIe siècle, au sein de laquelle les fidèles musulmans viennent jusqu'à ce jour s'incliner quotidiennement pour implorer le pardon d'Allah. Samori est arrivé là, est rentré dans la même mosquée et il a perdu la vue car il avait une ambition bizarre dans son cœur contre Samatiguila. Donc, étant vu par les sages, par les ancêtres, cette mauvaise habitude, l'on a perdu la vue et se soit adossé sur un tronc de bois dans la mosquée où il y a 7 bois qui est dans la mosquée. Bon, le Dieu ne peut jamais montrer à qui ce soir. Samatiguila a été fondée vers les premières années du 14e siècle. Son peuplement s'est effectué par vagues successives de migrations composées de familles Diaby, Samassi ou Saouré, Sissé, Soumaoro ou Kanté, Savané ou Si, Touré, pour ne citer que celles. Les populations sont cosmopolites et appartiennent aux groupes sociaux Malinké, Sénoufo, Sarakolé et Peul de l'Empire du Mali. Nous sommes tous les phares à tout qu'on a. Nous sommes tous les phares à tout qu'on a. Nous sommes tous les phares à tout qu'on a. Selon les chiffres très anciens de 1994, la population de Samatiguila était estimée à 5112 habitants, aussi bien pour l'agglomération, la ville, que pour la commune. Autrefois, coupée d'Odiéné, chef-lieu de la région du Kabadougou, à cause de l'état défectueux de la route non bitumée difficilement praticable, surtout en période de pluie, les fils et filles de Samatiguila viennent de bénéficier de la construction d'un nouveau pont, désormais véritable cordon ombilical pour les transactions commerciales et agricoles, symbole du dynamisme de cette belle cité au nord-ouest de la Côte d'Ivoire.